suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait, Sibyl. Si ça va déranger, déposez-moi en conscience, s'il vous plaît. Il serait bien que tu vérifies le contenu avant que je quitte. Je t'aime, ma femme. Je t'aime, mon mari. Pourquoi tu m'aimes? Je t'aime parce que je t'aime, c'est tout. Allez! Vraiment, parce que tout le plus bel moment de la vie, ça va me passer. Et puis le mois, comme bat. Bini, 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 bini. Et au même. Pour que ce soit la même chérie. Parce que t'as plein de fric. Sois sérieuse. Ben, je t'aime parce que je suis encore moins heureuse. Nous, on est un bon mari et puis nous, on n'a pas besoin de se voir. Et tu t'occupes bien de notre petite fille et de moi. Papa, papa, viens jouer avec moi. Maître Antoine Brière est l'avocat par excellence des causes perdues. Une fois encore, il a fait preuve de beaucoup d'adresse dans l'affaire Duguay, le motard qui avait mis le feu à l'hôtel de ville de Montréal. Aux dernières nouvelles, il devrait se présenter dès demain matin au palais de justice de Montréal. Je crois que je dois partir. Je dois aller au théâtre avec ma femme. Adam, pas qu'à dire un mot sans pas parler de madame. On va faire un coup de coupage en fonti pas chat début de mariage. Le mon fils qui est vraiment en forme, je me songe madame moins la petite main. Et puis, ça calme. J'ai même bon petit secret. Laissons avec Mario, oui. Pas coucher plus qu'une fois avec mon fils. Ou j'ai moins de problème, moi. Bonjour. Pas bonne nouvelle. C'est jour, ça n'a pas risqué rien du tout. Parce que la guillotine n'est pas répondre moi. Balle deux coups de pied dans mon dalle. Il finit par comprendre qu'ils sont avec Marie. Mm-hmm. C'est Samy. À demain. Yes. Samy, on l'a, il n'a pas. Oui. Il est un peu con. Excusez-moi si je vais te présenter maintenant. Il est en train de briguer pour vous servir. Mélissa Dorelis, barmaid. Expliquez-moi, bagage, Mélissa. Les gens font belle tifite en cours, puis j'appelle l'école à l'alcool pour le cabinet pour venir. Me deviner. Ménage qui t'offre. C'est tout faux, monsieur le devait. Pourquoi es-tu si triste alors? C'est à cause de mon frère. À cause de ton frère? Est-ce qu'il est malade? Moi, je n'ai pas envie de parler de frère. Il n'y a pas que l'alcool qui puisse t'aider à t'évader, tu sais. C'est encore à toi, mon cher avocat. Ouais.
C'était pas mal. Eh bien, dans ce cas, tu n'auras aucun mal à m'aider. Vous voulez me cob? Vous voulez m'aider ou... Pas comprendre vite du tout, même. Hein? C'est pas l'argent qui intéresse. C'est pas l'argent qui intéresse, mon père, qui l'a déjà m'aider. Son nègre marié, mes chéris. Son nègre marié, oui. Ça, c'est son bel baguette. Attendez, non. Son avocat, oui. Faut amener en prison. Vous voulez que vous mettez le DA. Un point, c'est tout. T'es tout qui n'est pas bien. Casson Batem concernant bel avocat. Fais ça maudit là. Et secret ça prétend trop même avec moi. Va te faire soigner, espèce de malade. C'est fini. Je crois qu'il y a quelqu'un qui cherche à avoir quelque chose. Puis, vous parlez ça? Ah non, mais... Dépêche-toi, papa, on sera en retard. Je suis utile. Lâchez-vous, les amoureux. Papuce, papa et moi avons un cadeau pour toi. Je suis si contente. Ouvre-le. Waouh! Je vous aime. Moi aussi, notamment ma buse. Parce que avant de bon tu vas aller. Yeah. Vous m'êtes compté sur moi, Luc. C'est encore la même femme, maître Antoine. Dites-lui que je ne suis pas là. Mais c'est la 10e fois qu'elle appelle. À l'avenir, à chaque fois qu'elle appellera, dites-lui que je suis au palais de justice. Que je ne suis pas au bureau. Enfin, trouvez un moyen de vous débarrasser d'elle. Clinique dentaire Rivière des Prairies, bonjour. Le docteur Gagnon est occupé pour l'instant, est-ce que je peux prendre le message? Attendez juste une seconde, s'il vous plaît, juste un moment. Clinique dentaire Rivière des Prairies, bonjour. Non, malheureusement, le docteur Simon ne vient pas le lundi. C'était pour un rendez-vous? Ah ben, dans ce cas, il va falloir appeler demain matin, à compter de 8h, c'est ça? D'accord, merci beaucoup, bye bye. Oui, madame, excusez-moi pour l'attente. Alors, est-ce que c'était pour un rendez-vous ou pour un examen? Ah ben, il va falloir appeler à 5h aujourd'hui, si vous voulez lui parler. Ouais, il part à 5h exactement, avant 5h, je veux dire. C'est parfait. Et c'est quoi votre nom? Germain? Ah, ok, parfait. Merci, merci beaucoup. Bonne journée. Marie-Josée? Oui, docteur Denis? Pourriez-vous rester jusqu'à 7h? Aujourd'hui? Oh non, mais je suis vraiment désolée, je pense pas pouvoir. Est-ce que je peux rester demain peut-être? Ok, non.
tout est beau, Madame Jean-Baptiste. Il n'y a vraiment pas de raison de vous inquiéter. À part votre taux de cholestérol qui est un tout petit peu élevé, tout est parfait. Alors, il faut manger moins gras. Vous avez raison, docteur. C'est quand notre prochain rendez-vous? Demandez à ma secrétaire, elle vous donnera une date. Ok. Merci, docteur. Alors, merci. Allez, merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour. Oh, mais non, faites une accompagnée passée. Moi-même, tout. Je suis tout à fait ma chérie. Pourquoi nous parlons, Catherine? Hier soir, je me réveille à Dangon l'autre fille. Oh. Et puis, depuis le matin, il dit ça pas, je me suspendre à casser. Ah, mais non, ma chère. C'est juste un rêve. Et pourquoi n'est que Adam son monde de bien? Ce sont ma tête au problème comme ça, non? Il y a raison. D'ailleurs, changeons de sujet. Est-ce que vous venez au souper ce soir? Adam m'a dit, rater un souper chez les Brières, c'est hors de question. Je me sens flattée. Écoutez, Madame Tremblay, vous n'allez pas traîner votre mari en cour parce qu'il a utilisé votre brosse à dents, voyons. C'est 40 ans qui fait ça, moi. J'en ai marre. Je veux vous voir, Madame Tremblay, comme ça. Ça vous prend un rendez-vous, madame. Je vous rappelle, Madame Tremblay. Je ne voulais pas la laisser rentrer. Je suis vraiment désolée, maître. Je sais, je sais. C'est bon, Solange. C'est bon. Pas foutre qu'à comprendre que je ne vais pas foutre faire avocat froid, là. Vous quoi ça? Vous faites bagarre avec moi. Vous rappelez ça? Trop pas l'ambiance. Quittez bureau maintenant ou m'a fait une photo dehors là. Bralé. Mais ça va pas fini là. Moi, garanto. C'est ça. Comment ça va aujourd'hui, Marie-Josée? Ça aurait pu aller mieux. Avec tout ça qui a passé dans le pays Haïti, qu'on y a là. Obligé inquiète. Pas jamais connaître cette carrière de femme ou n'importe qui le. Avec raison, ma chère. On parle d'un pays. C'est pas facile. Je sais que c'est pas facile là-bas. Donc, là, je vais te faire l'injection. Inspire un grand coup. On y va. Voilà, tiens ça. C'est tout. Merci. Entrez. Je m'excuse de vous déranger, mais un coursier vient tout juste d'amener cette lettre pour vous et sur le dessus, c'est marqué urgent. Vous avez bien fait, Solange. Merci. Qu'est-ce que t'es? On touche au tout bouquet comme ça? Oui. Même je l'ai tout là, oui. Qui l'est ça? Ben, un monde qui a à peine poté. Pas expliquer tout le bagage, oui. Moi-même. Où suis-je ça? Mais Antoine, je comprends pas ta réaction. On te remercie tout simplement pour un don que tu as fait aux femmes victimes de violences conjugales. Mais c'est rien! Je me fais donc battre pour me dire qui m'en est.
Par contre, qui j'ai en fait pour qu'on écoute ma voix. Et tu voulais cacher ça à ta Cathy? Ben non, chérie. Pas de penser que je gaspille l'argent à droite à gauche. Pourquoi il a passé ces quelques cents que mien? Ben non, mon amour, au contraire. Quand on a dit tout le bagage? Moi, mon Cathy. Pas caché moi rien encore. Comment puis-je vous aider, monsieur? Je voudrais voir Mélissa. Mélissa? Je la connais pas. Elle habite ici. Elle est grande et elle a les cheveux ondulés. Peut-être avant, mais depuis une semaine, c'est moi qui habite cet appartement. Je suis désolée. Yeah, man. Dis quoi ça, man? C'est pas de souci, pas de belle, ça, je veux, man. Vous dites ça comme ça? Yeah, man, s'il pas te ferme, pas ta balle, man. Quand on caca, man. Regardez les femmes doublées comme ça, man. Yo, yo, Luc. Fais trop vite, man. Si la police prend nous là, man, c'est prison direct, oui. Tu as Luca, bon, c'est nous fait mal pour vous. Il faut pisser sur vous. Regardez bien. Mais la police derrière nous. Ouais, si vous t'entendez moi, il n'y a pas de chambre dans la situation ça. Jean-Louis là, nous sommes pétés dans. Il m'a fait en prison moi-même. Je suis pour mal marié. Qu'est-ce qui s'est passé moi? Et Jean-Louis là, c'est le cadavre de policier. Vous entendez? Prenez le cadavre. C'est pas possible, après qu'il y a l'autre machine police là! C'est la coke. J'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. J'espère aussi. Qui j'en aurait l'aime? Caca chien! Qui j'en aurait l'aime? Chien mourir! Qui j'en aurait l'aime? Inspecteur Gustave! C'est pas si compliqué. Vous pouvez emmener cette merde. Regardez, Saint-Denis, pas jamais oublier figure ça, ni non ça. Qu'importe ça, fait ma joie, nous. Enlevez-moi cette merde de là. Qui j'ai besoin de marcher? Me fait tout ça, t'es de me faire, oui, man. Très bien. Kakon non ki moun ki te dénoncé non? Ba konnen Luc. Quel est le question d'ailleurs Philippe? Dis-moi non tête, sinon même toi bien problème avec moi. OK, OK. C'est André. Li di la police côté juste ballon roulé. Si kon non, mais c'est parce que tu proposes le travail pour vous. Et t'en avais pas gain dossier la police, yo quoi elle. Quitte-moi ma tête. Quand tu me caches un petit caca. On me compte sur moi, on aime toujours la peau. Mais...
Bonjour Madame Bouchard. Est-ce que tu as parlé de l'augmentation du loyer à ton mari? Oui, tout va bien. On garde l'appartement, on accepte le surplus. Je veux pas de retard en ce mois-ci. Non, non, il n'y aura pas de retard. Bye bye. Allô? Appel payé en provenance d'Haïti pour Marie-Josée de Rosé. Oui, j'accepte. Allô, maman? Qui j'en y est? Ça va, grâce à Dieu. Et vous-même, chérie? Bon, on connaît, nous là, oui, chaque jour, même bagarre. Un travail, puis je retourne à la caméra, c'est tout. Et Gilles? Comment il est? Il n'est pas plus mal, il n'est pas plus mal. Comment Katia avec Victor et même? Yo bien. Et ou même qui janvier koaye? Konne. Ye koa la petite moi. Yo voye Katia tourner l'école la pou kobe kola et la oui. Va vrai. Pa expliquer directeur que l'argent ap vini la semaine là. Li pa vle comprendre rien. En tout cas, regardez, m'a fait tout possible pour moi si m'a voye kob la semaine là la. Et bon nouvelle Victor lui même. À l'école. Li participe encore non l'autre manifestation. Petite ça, sou pa fèl vin jouen nou nan Canada. Station encore. N'a perdu. En tout cas, mami de pou jwenn lèt immigration fè m konnen tande. OK, petite chérie. N'a pas lè. Tu m'as fait peur. Là, tu me fais rire. Pourquoi? Ton frère arrive dans un mois. Et ta vie comme ça arrivait demain. Mais j'ai tellement hâte qu'il soit ici en sécurité à Montréal. Haïti, son pays tête chargée, tête en bas. Il va être content, c'est beau ça. Tu aimes ça? Ouais, c'est beau. Très content. T'as mangé toi? Non, mais j'ai coupé l'orange. Les partisans du président Jean-Bertrand Aristide, qui se font appeler Chimère, ont pris d'assaut les locaux d'une université d'État. Deux étudiants ont trouvé la mort et deux enseignants ont été blessés grièvement à la suite d'attaques de violence. C'est déjà la 9e journée d'attaque en Haïti. Je suis obligée de quitter le pays. C'est ça? Je recevais une lettre d'immigration au Canada. Je m'en demande pour me quitter le pays le plus vite possible. Est-ce que vous parlez avec l'avocat là? Bon, que l'avocat, il dit que le plus bon bagage pour me faire, c'est de retourner en Haïti avant de l'infini. Sinon, je me considère illégal dans le pays. Et si Mario? Nous pas qu'à faire ça. Ou pourquoi divorcer? Non, non, non. Ou pas aucun côté. Peut-être que je pas fait dans le pays d'intérêt à côté. Il y en a tué l'autre pour grand merci. Il n'y a pas question. Nous pas bien choix. Le destin a choisi autrement. Je ne vais pas vivre loin. Il n'est pas possible. Ben, va demander à ton père, ma chérie. Je suis occupée. Mais il travaille. S'il te plaît, maman. Bon. Ben, c'est quand on est marié et qu'on trompe son conjoint. Qu'est-ce que ça veut dire, conjoint?
Ça fait quoi dans le plafond là, Antoine? Chérie, je m'étais juste collé une petite note au plafond pour me motiver à travailler. C'est tout. Oh. Pourquoi tu mets tout ça à taper efficace dans le plafond chambre, non, oui, chérie? Pourquoi quoi ça? Ouais. Maps, vous entendez? Pas pour toi, toi. Ce matin, une manifestation pacifique visant à forcer le président d'Haïti, Jean-Bertrand Aristide, à quitter le pouvoir, a tourné au vinaigre quand ses partisans commençaient à lancer des pierres sur les manifestants. Oh, t'as vu un fantôme ou quoi? Tu l'as pas bougé, Mjo. Prête là. Je ne comprends pas pour qui ça va être un jour comme ça, non? Je ne vais pas te faire de mon goût d'appeler des nuits comme ça, non? Donc, je ne pas mal bizarre cette ancien. Si ça vous dit, c'est pas appeler des nuits comme ça. Alors imaginez-vous, je venais de prendre l'autobus pour aller à un examen à la fac. Et là, je me suis rendu compte que je n'avais pas ma passe d'autobus. Évidemment, le chauffeur d'autobus, lui, voulait rien entendre de ce que j'avais à dire. Et là, j'ai entendu une voix qui disait, c'est à toi cette passe. Tu l'as échappé. C'était Adam. En plus, il venait de sauver mon examen. Et depuis ce jour-là, on est inséparables. Oh. Et toi, Antoine, comment vous êtes-vous rencontrés? J'avais quoi? 17 ou 18 ans, c'est ça? À peu près, oui. J'ai été invité à une petite fête à côté de chez moi. L'ambiance était nulle. Ça, c'est vrai. Au moment où je décidais de quitter la fête, je la voyais qui arrivait. Je n'avais jamais vu une fille aussi belle que ça. On a passé toute la soirée à danser ensemble. Et à partir de ce jour, j'ai su qu'elle était la femme de ma vie. Non, non, laisse, je prends. Excusez-moi, hein? Je reviens tout de suite. On est vraiment chanceux d'être toujours ensemble après tout ce temps-là. Ouais. C'est ainsi lorsque l'on rencontre sa douce moitié. Oh. Hein? Chérie, c'est pour toi le téléphone. C'est qui? Hein, c'est Maître Boussou, t'es jeune. Combien d'années bon foutu qui m'a foutu l'avocat fou là? Ah oui, reprends ma question encore. 32-25 Saint-Michel. Oui, qui bloque l'appartement? Spon lui avec pile spon 4 qui crie, mettre brièvement cette pour. Si je ne peux pas me foutre de ça aujourd'hui, je pas café petit, m'opérer, je pas foutre café petit monde. Vous entendez ça? Si je pas suspendre pendant merde, je vais la police, je vais me harceler. Merde.
Si vous voulez récupérer l'original photo, yo. Débrouillez-vous pour mettre le t-shirt et m'aider. C'est le t-shirt qu'on a. Ça va garder au salier pour moi. Je voulais vous mettre le dehors. Un point, c'est tout. Faites attention, mademoiselle. Vous dépensez que coucher avec un fillon le concerne. Pas d'appel plus qu'on a rien. Mais résultat. Lorsqu'on famille, ou pas fait bagaille comme ça. Ou bon madame que tout le monde a remis gagné à qui ont belle petite fille. Sauf les deux plus. Non. C'est pas le moment pour faire me connaître que c'est une équipe qui était en même temps. Si j'en ai moyen, il a juste remis aidé. Est-ce que vous désirez autre chose? Non, merci. C'est terminé. Merci beaucoup, infiniment. Solution en main. Yon côté, ou gon famille ou pas d'arrêt me briser. Yon l'autre côté, ou bien ça la fait. Bal la nan pire. Mais, je regrette ça pour vous. Comme ça, qu'un go ragaga. Par contre, ça qui passe avec aujourd'hui à Marie-Josée, bon, pas comme d'habitude. Il y a un petit frère qui a rentré dans 2 semaines à Montréal. Ah bon, ou un petit frère? Mon petit soeur tout. Il y a vivre à maman en Haïti. Ah, mais c'est une bonne nouvelle, Marie-Josée. C'est belle, bagaille. Parce que depuis que je viens de prendre piquer au bon ici, hein, c'est la première fois moi, qui est content comme ça. Eh bien. Ah oui. Ah, avec plaisir. Mais quand t'attendais ça? La semaine prochaine. Ah bien, d'accord. Merci un peu. Bonne journée. Donner un enfant. Je suis désolée. Tu es désolée. L'enfance, c'est avec toi que je veux. Avec une autre. Avec toi-même. Je suis stérile. Je suis sûre qu'on va y arriver. Je suis sûre qu'on va y arriver. Puis ça se marche. Si ça ne marche pas là, il y a toujours l'adoption. C'est ça? Tu as renoncé à ton rêve d'être père biologique d'un enfant? Hein, c'est ça? Je ne peux pas comprendre. C'est l'amour de ma vie, je vois. Oh! Ce sont les spermatozoïdes de ton mari qui sont en cause. Les chances que tu tombes enceinte de lui sont quasiment nulles. Alors, toutes les injections du monde ne serviront absolument à rien dans ce cas. Écoute, Marie-Josée, je sais que ce n'est pas ce que vous aviez envisagé, ton mari et toi, mais il va falloir que vous commenciez à penser à d'autres moyens pour avoir un enfant. Je suis vraiment désolée.
Mais tu sais, de nos jours, il y a plusieurs possibilités. Il y a l'adoption, des banques de sperme, et j'en passe. Mon amour. Bébé? Hey. Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qu'il y a? Hey. On va adopter un enfant. Ma décision est prise. Comme ça? T'as fait une idée comme ça, là? Hey, qu'est-ce qu'il t'a dit, le médecin? Regarde, oublie les tests médicaux, oublie le médecin, oublie tout ça. Écoute, on a besoin d'un enfant, non? Ça fait 2 ans qu'on essaie très fort d'avoir un enfant, alors on adopte un enfant. Mais de toute façon, moi, je suis fatiguée de me faire piquer à chaque fois à la clinique comme une droguée. Dès lundi? Hey! On commence lundi. On commence les démarches lundi. OK? Plop. Arrête ça. Lundi. OK? Ça va aller bien. Nicole Sidney. Oui, mon amour. Mon amour, est-ce que tu peux me rendre un petit service? Vas-y, l'écoute. Je vais encore faire des heures supplémentaires ce soir. Tu pourrais envoyer $700 à Manon parce qu'elle doit acheter le billet d'avion Victor. Non, quoi, Victor vient à Montréal? Ben oui, il est tard. Ben, j'y vais tout de suite. Pas de problème. Qu'est-ce que je ferais sans toi, hein? À plus tard. Bye. Comment vous allez être? Il était très bien, oui. Mes amis, pas très bien, vous me voir, non? Victor. Oui. Bon, nous allons Rosy. Ah, Rosy va très bien. Et elle t'envoie un petit cadeau, par exemple. Ah, je l'aurai une fois à la maison. Ah. Et moi-même? Ah, elle n'est pas vraiment un pour. Vous attendez. Vous voulez un petit lettre, moi? Oui, je veux un petit lettre pour. Ah, petit, nous sommes contents de vous voir au Canada. Ah, hein, Victor? Bien sûr. Vous savez, on peut voir ici, là? Elle est là, bien sûr. Ah, de charger, vous êtes chargé, de charger. Merci. Comme nouvelle maman, comment elle est même? Comment elle a boulé? Maman très bien. Yeah. Figuez tout jeune. Il m'a dit. Et papa même, il est venu nous voir là pour. Ah, papa. Depuis qu'il est à Haïti, il n'est pas jamais passé la caille là, non? Il m'a dit. Mabdo. Vacabon. Oh. Sans vous même, petite, nous t'avons mouru, gangou. Oh, Gilles, je vais te donner ton cadeau. Non, non, non. Ça. Ça peut attendre, non? Non, pas de problème. Moi, je vais vous raconter vos histoires parce que je vais me lever tôt demain. Le boulot, on comprend? Oui, dans ce cas, bonne nuit. Ça c'est une bonne nuit. Bienvenue. Bonne nuit, chérie. Bonne nuit, mon amour. Bon, bonne nouvelle, Katia, là, à l'école. Katia, très bien. Grâce à Dieu, elle a une bonne note dans l'école. Elle est bien contente. Et puis le vent, il est pour oui. Ma dit, oh, oui, oui. Bien content. Je vais attendre pour me lire ça, pour me raconter ce qui va passer là-bas. Ah. Quand il y a ici, je vais aller aider maman à Katia. Ça fait tellement longtemps que c'est eux-mêmes qui ont fait ça pour nous. Je dis, dans le Canada, il y a un travail pour toi. Attends, attends. Lors où vient ici, là, quand il y a, on va commencer à l'école. L'éducation est très importante. Ok? Quand il y a, c'est lors où vient l'école, nous allons penser à aider à la Haïti. Bien quand on parle de ça, mais l'école là avant. Pas un problème, ça, non. Qu'on est content. Je suis content de voir en plein tour. Vraiment. Ah, c'est toi. Content de voir. Mon Dieu, gars. Ah, merci, monsieur l'avocat. Son vrai magicien. C'est mon de nouveau livre. Tout ça, c'est grâce à vous. Et vous-même, petite soeur. Si vous pas existé, vous êtes obligé d'inventer. Ça.
coucher après, hein, bousin. Hein? Hein? On t'a dit, moi, tu fais tout ça que t'es possible, tu fais ça, tu n'as pas. Pour te coucher avec elle? Et pas qu'un petit? Oh, tu fais. Mais c'est pas pour te coucher avec elle qu'il a petit, mon enfant, le chanter? Mais pour te coucher avec elle, tu veux coucher avec mon avocat, c'est ça? C'est ça? Non, mais. Hein? Mais pourquoi la madame Jean fait mal au petit monde? Qui t'aime? Ça fait un plaisir, Olivier. Jean est là. Coucou, nec qui saute dans la prison. Qui est au lago là? Matin, vous demandez au bouquin là? Pas vraiment. Seulement, mon papa a un problème dans le club. Moi, je vais me sauver. Je n'ai besoin qu'on coupe tête, y'aurait l'André. Ça fait quelques temps, il n'est pas venu là encore. Si je me compte plus, je t'ai dit non? Je ne peux pas t'en aimer en affaire. M'invitez, non, monsieur. Ça n'a pas là. Bon, m'habituel, là. Fais le fait deux. Yo, man. On mène dans le club, Lucien. Nous ne voulons pas aller. On va aller marrer au point. On fait comme quand on fait, man. Il faut qu'il y ait une dame ou comme ça. Puis, on même dit, moi, parler de mariage. Ça que passe, oh. C'est plus fort que moi, man. Où est femme ça, man? C'est la femme de ma vie. La femme de ta vie? Oui. Comme ça, même. T'as demandé pour qui ça? Mais comment on le faire vivre? On peut le faire même là avec vous, man. On peut le respecter promesse, moi. Ma fin de vendre tirer ce coq-là. Et après, on peut le trouver un travail respectable. Cher, qu'on va quoi, la plus belle décision que tu as prise en vie, c'est si tu n'as que ça à l'opri de ça. Imagine-toi, je regarde un bel bébé ça, et moi, je crois que c'est moi qui est papa. Je me dis non, il faut me faire perdre digne de ce nom. Tu as l'air de dire que ça m'a pas là. Non, je crois que je vais t'en comprendre. Ou si je comprends, moi. Je comprends, oui. Bon, est-ce que Watman aime dans le club Lucien? Parce que je me pressais là. On va aller, non, mais. Ok. Ça très belle sous Chantal. Chantal? Qui moun ki di ou son petit fille poilier? Même senti ma papa pi belle petit fille dans le monde là? Mais moi même son garçon besoin. Son petit fille me vle. Ça va bon moi. Tout ça vle mon amour. Oh, si belle. Mm. Même. Vous n'avez pas besoin de bon rouler pour casser mon là? Non, bon, elle fait son gain pour faire, hein? Et puis là, ouais, plus tard. Ok, bébé. Okay. Les gens d'Ecolaïve, appuyés par des rebelles armés, mettent au défi le président Jean-Bertrand Aristide de venir fêter le 200e anniversaire de l'indépendance d'Haïti dans leur ville où l'acte de l'indépendance a été rédigé. Ça va foutre par là. Côté, man, faut moi une heure à attendre là. Man. Relax, man. T'as checké quand tu dans mon air, man. Yo, on gagne matériel là, man. Checké dans le coffre là, man. Son bon bagage. Yeah. On y a dit que tu me caches un petit intérieur, non. Avec Bob, monsieur. Avec un Bob. Avec un Bob. Yeah. Eh ben, on a checké Bob là, non. Ah non, man. Yeah, man.
Attends-moi là, attendez, si jamais monsieur t'a essayé de sauver, attendez. Ok. Ouais. Rastigui, bonjour. Oui. Allô? Comment, maman? Combien de fois nous jouons Bob à foutre de travail? Qu'est-ce que tu fais? Ça fait ouais, Bob l'a mis ici, moi je paye à l'heure pour faire travail client. Je ne suis pas content de déranger tout le temps comme ça. Alors, j'espère que vous comprenez ça, vous là? Ok. Check le temps, mon cher. Déranger les gars, mon travail. Si tu travailles, m'a traîné pour m'a passer au Bob. J'espère que monsieur pas prêt ici encore. Et moi-même, ça pour me comprendre. Pas que l'argent ici, en fait. L'argent? Ou elle me semble un petit voleur? Mais ça me fait pour vous. Besoin est Bob et pas fait me fâcher. Bon, Bob derrière, non, on a roule, la travail derrière, on met à côté. Là. Et tout le monde, ça, qui est-ce qui papa? Ah, oh, ça, c'est photo petit Bob. Son petit monde tiré en pile, c'est ça qui fait une belle autorisation avec le garage là. Si jamais vous t'a remis relayer la police, pas de cave de A à fond pour trouver comme ça dans la tête. Tout comme ça. Bob. C'est vous-même qui Bob là? Zami Andrea? Oui, comme Raido. Je vais chercher monsieur. Je suis là pour que ça soit mauvais. Je m'occupe là, oui, mais. Ça que passe, man? Un bel petit bébé, hein. Ok. Ça fait une semaine, bah, monsieur. Mais c'est ça, me rajoute, monsieur. Monsieur, quand il fait qui est les Julie, son coiffeuse, puis même si Benjamin nous a été le. Et côté pour me joindre Julia moi-même. Ou bien intérêt pas bon mentir et pas avec André. Parce que je ne vais pas trop remettre ce bébé. Ok, Julia travaille dans le salon coiffure sous papier noir. Il est clair de lui. Satisfait? J'espère que ça va vrai pour vous, mais. Chérie, ricoler encore? Ah non. Comment? La carousse est seulement dit ricoler, m'a monté mon trophée. Dit ricoler, mais tout nos médicaments en fif, moi, je ne vais pas prendre encore. Parce que, non, je ne vais pas prendre encore. Patner, non, mais mon cher. Assurez-vous pas pour l'autre bagage, moi, je ne vais pas manger. Patner, nous sommes bien capables. Tant pis, je vais des timons. Oh, pas de bon down, man. Quelle ville? Montréal. Demandez-vous un numéro de résidence? Non. Quel est le nom demandé? Salon de coiffeur Claire de Lune. Quel est le nom demandé? Salon de coiffeur Claire de Lune. Claire de Lune, bonjour. Je voudrais un rendez-vous avec Julie. Je suis désolée, monsieur. Elle n'est pas là aujourd'hui. Elle va être là demain. Voulez-vous prendre un rendez-vous pour demain? Non. Il faut absolument que je fasse coiffer les cheveux de ma fille aujourd'hui. C'est son anniversaire et je lui avais promis. Écoutez, sa mère est sur le point de mourir. Et ma fille tient absolument à ce qu'elle la voie avec une nouvelle coupe. Je suis prête à payer n'importe quel prix. Mais monsieur... Il y a d'autres coiffeuses ici qui font un aussi bon travail que Julie. Non, ma fille aime bien Julie et je dois m'assurer qu'on parle bien de la bonne personne. C'est bien Julie Mongrain? Il n'y a qu'une seule Julie qui travaille ici. Son autre famille est non. Thank you.
y a encore un côté pour jeune monsieur. So. Yeah. Yo, moi, je vais quitter parce que on couple natal, on va le suivre là. Mais. Yo, imagine, on va le papa, man. Est-ce qu'on croit que ça, on va le papa? Man? Bah, en tout cas, yo, on a un travail pour faire, so, on met le job, moi, juste là. Man. Yeah. Tout ça va aller plus tard. Ah, mais Marie, là, vous me dites, man. Manon, sur la mode, teinte. Pas de problème. Plus rien à craindre. Je suis vraiment désolée pour tout ce que je t'ai fait, CBA. Le problème, c'est que je paye à l'heure pour faire travail avec toi. Par contre, en tant que pour déranger tout le temps comme ça. Alors, mais est-ce que vous comprenez ça, vous voulez là? Ok. Pour qui ça m'a été parlé, Bob, de nous? Et pour qui ça tête un mécanicien, on ne va même pas passer Bob? Pour me dire, puis Gali pas les Luc de nous? Peut-être que Luc pas même sous bon même. Et qui j'en fait qu'on est livré tuyau même. On barre même comme t'es qu'on rend quelques petits services. Il s'est menti que lui pas bon menti. Moi même si on m'en vacances moyen. Mais chérie. Qui s'est livré tuyau même. Pas faire rien. Mais chérie, il est pas qu'on côté n'a pas vivre. Si nous j'aime bon, l'a besoin de nous facilement. Excusez. Mais ce qu'on t'a fait, relais la police, dis que Luc veut tuyau. Il y a côté jour, c'est job yo. Mais qui sont quoi? Ne pas le rassurer avant que c'est pas une blague liée. Et d'ici là, là bientôt trop tard. Moi, même si on m'en en vacances pour mais ce qu'on t'a fait même. Ce qu'on t'a fait? On va essayer ouais Bob avant. Mais... Oh, quoi, son bon idée ça est? Moi même qui t'ai pensé que nous t'as probablement le mariage d'ici une semaine. Chérie, on a toujours marié. Allo ouais Bob, et puis demain nous allons à New York. On a qu'à le marier. Est-ce que c'est ça que vous voulez vraiment? On est jamais mon non? Regardez-moi, on connaît jamais mon. Pas quand il aime pas faire pour chérie. Allez, allez, Bobby, va t'en nous là. Va t'en nous chez. Va t'en nous. Ça va déranger, déposez-moi encore une fois s'il vous plaît. Il serait bien que tu vérifies le contenu avant que je quitte. Thank you.
Oh my God. Victor. Victor. Appelez une ambulance. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Aidez-moi. 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 Mon frère est touché. Aidez-moi. Victor. 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 Je. Victor. Bah, ça t'y comme encore. Comment sens-tu? Victor, reste avec moi. Appelez une ambulance. Aidez-moi, s'il vous plaît. Aidez-moi. Quelqu'un, aidez-moi. Je. Ma non, je. Pas de mourir, Victor. Papa, les bagailles qu'on a oubliées. Pour que quand vous voyez pour maman, pour Katia, pour commencer à travailler et tout ça. Dis Katia comme ça. Dis Katia, qui m'a mis la pile. Et puis, dis maman, qui m'a mis la pile, je. M'a mis la pile. Oh, aidez-moi, s'il vous plaît. Mets-moi en pile, Jean. Mets-moi tout, Victor. Mets-moi tout, Victor. Victor est là même. Victor est là. Victor. 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 S'il vous plaît, aidez-moi. Finalement, faut pas te livrer cette là, hein? Ah, mais oui. Mais faut qu'on vite moi bac Antoine souper yon nan jou k'ap vini yo. Ah, ben oui, ma chère. Oh, gèlè gon bay la. On garde ça n'ka fè. OK. Elle est là. Appelez une ambulance, s'il vous plaît. Mon petit père a été touché. Mon Dieu, Antoine. Antoine. Oh. Oh mon Dieu. Oh. Antoine. Non. Antoine. Non. Non. Mérité ça arrivé là. Qui c'est Aurélie? Inspecteur Gustave. Kakon non, qui nous qui te dénonce maintenant? C'est André. Fuck! Ça me se ferme là, man. Vous êtes les parents de Victor? Je suis le docteur Ferlat, le chirurgien qui s'est occupé de votre frère. On a vraiment tout tenté, madame, pour extraire la balle, mais il était trop tard. Je suis vraiment désolé, madame. Vraiment. Non! Qu'est-ce que ça veut dire? Non! Non! Il le faut. Il doit savoir.
Allô? Vous voulez parler à qui? Allô? C'est Marie-Josée. Katia? Vous bizarre. Malade, Marie-Jo? Non, non, pas plus mal, très bien. Maman, côté là. Ah, elle est beaucoup de temps. Ma passe au lit. Allô, maman? Maman? C'est Victor. Qui ça Victor gagne? Hein? Qui ça Victor gagne? Victor Pan, non? Maman? Ça gagne! Mais ça gagne! Ça, ça gagne! C'est quoi? Quel est notre jeu qu'on y amène? Dis tout ça, moi, amène, c'est dans l'imagination liée! Sois mon cou! Ok! Ça, tu veux pas me vérité à qu'on y amène? Ok, 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 sois mon cou! Sois mon cou! Inspecteur Gustave, de la brigade des stupéfiants. Puis, ou pas quand vous faites dans le bureau, hein, vous cherchez un monde pour parler? Alors, quand vous qui raison là, vous êtes plus gentil que ça. Je cherche un nègre, il y aurait les Luc Joseph. Il a dit que nous avons coup deux doigts de la main. Baron, monsieur. Vraiment? Suspendre parce que c'est une bêtise. Vous regrettez ça amèrement. Puisque je suis baron, monsieur, faire retour même. Haïti, c'est un bel petit pays, non? Et faire un petit monde là-bas, donc bagaille magnifique. Et puis, qui j'en aurait là encore? Chimère, chimère. Sauve-les. Ah, un peu qu'on y a. Prends 4 ça. Dépôt une nouvelle, relais. Sinon, bye bye, amour. Bye bye bébé. Pas de choix. Non, non, non. Yo, c'est pas pour les petits mois là, un vieux pays avec l'audit, pas quitter l'aller. Pas faute, moi, pas de choix. Je démasque au devant, man, avant de changer d'idée. Ok. Non, Luc, pas fait ça, Luc. Non, pas fait ça, Luc. Luc, pas fait ça. C'est qu'on s'en va de moi, man. J'ai ton arme et lève la main par-dessus la tête. Je te le répéterai pas. Un peu, man. N'a pas un enfer, man. Non, non. Ah! Qu'est-ce que je t'avais dit? T'es dit où? Quel que soit couturier, hein, t'as fini pas mettre mes sous.
Dans l'espace de 2 semaines, 2 règlements de compte ont coûté la vie à 6 personnes et ont fait plusieurs blessés. Dans celui de la semaine dernière, un adolescent d'origine haïtienne de 16 ans qui venait tout juste d'arriver au pays et une quinquagénaire ont trouvé la mort. Pour prendre soin jusqu'à ce qu'on s'en sente bien. D'appeler à partir de demain matin. Je vous ai venu avec moi quand maman. Si vous voulez parler avec lui, on va juste téléphoner pour ça. Judith, viens dire au revoir à ton père. Les rebelles armés qui ont à leur tête Philippe, un ex-militaire, vient de prendre le contrôle de la ville de Saint-Marc, une ville qui se trouve dans le nord du pays. Dans leur itinéraire, les rebelles armés ont mis le feu à plusieurs postes de police et institutions publiques. La population haïtienne, lasse de subir les dictats du président Jean-Marc Aristide, se rend... Mais madame, vous n'avez pas écrit combien d'argent que vous voulez envoyer? Oh, 150 dollars. 150? Mm-hmm. Et c'est au nom de Rosie Jean-Baptiste, c'est ça? Mm-hmm. Ok. Vous sentez bien, madame? Madame? Oh! Appelez une ambulance, s'il vous plaît! Madame Soguet! Madame! Parlez-nous! Oh! Faites les frères! Madame Soguet! Appelez une ambulance! Appelez une ambulance, s'il vous plaît! Je sais que ce que je vais te demander est un peu indiscret, mais étant ton médecin, il faut absolument que je sache certaines choses à ton sujet. D'accord. Je vous écoute, docteur. Est-ce que tu as eu un autre partenaire récemment? Mais jamais de la vie, je ne couche qu'avec mon mari. Pourquoi? Eh bien, je n'arrive pas à le croire. Tu es bel et bien enceinte, Marie-Josée. Et la médecine n'arrive pas à l'expliquer. D'ailleurs, d'après l'échographie, le bébé est en excellente forme. Oh, merci Seigneur. Tu sais, ma profession m'a toujours poussée à voir les choses d'une manière purement rationnelle. Mais je dois dire que dans ton cas, c'est un véritable miracle. Est-ce que tu crois en Dieu, Marie-Josée? Oh ben oui. Oui. En tout cas, bon Dieu, ça va observer à petite. Qu'un bel fou, attendez. Bien, mon amour. Comment tu vas? Ça va merveilleusement bien. Je m'étais seulement évanouie. Je comprends pas. Il manque un épisode ou quoi? Mon chéri, toi et moi, on va être parents. Je suis enceinte. Un bébé ici. Notre bébé. Mon Dieu. Oh, un enfant? Un enfant, bébé. Notre? Notre enfant. C'est incroyable, mon amour. On a réussi un jour. On a réussi, chérie. On a réussi, chérie, on a réussi. Maman, j'ai un résultat échographie en matin, hein? Un petit garçon.
Moi content pour vous. Moi pral grand maman. Moi pral dit tout le monde ça la quartier. Julie même c'est pas content seulement content, non, c'est full full de joie. Moi comprends ni. Enfin. Ma quand ça m'a fait son nèg ça, me senti tellement chanceuse, me voyais comme ça beaucoup de temps. Vraiment. Les mêmes tout, les chanceux. Maman. Comme mon bail cap boulé sur du fer, m'a pris l'hôpital d'ailleurs. OK. Moi mon mamie. Moi même tout petite moi. Bon allez, bye bye. Allô Nathalie? Comment va mon Victor? Ah mais c'est super, il est sage. Non, non, elle n'est pas arrivée encore. L'avion est tout juste là. Donc, on devrait arriver dans quelques minutes. Ah bien, ok, d'accord. À tout de suite, hein? D'accord, bye. Comment va mon champion? Il va bien, il est sage. Bon, il faut y aller. Les passagers commencent à sortir. Ah ben déjà? Mais oui. Je vous aime. On a vu une société qui baille en deuxième chance à tout le monde. Violeur, pédophile, n'importe qui monde qui fait n'importe qui bagaille. Et moi-même, pas qu'en deuxième chance. On est que ça me fait un pas de fer. Mais que ma peau mourit sans vous, chérie. Je t'en prie, reprends-moi, mon amour. Reprends-moi. Je peux pas vivre sans toi. Maman. Ha ha ha.